Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de la découverte dédiée au troisième pack Porsche sorti pour Assetto Corsa le 20 décembre sur Steam. Vous l'aurez dans quelques jours normalement sur console. Je rappelle qu'on a déjà tourné une première vidéo que vous pouvez retrouver dans la description. On y avait testé 3 des 7 bolides présents dans cette ultime extension qui est, je vous le rappelle, disponible sur Steam pour 6,99€ en standalone ou bien via le Season Pass regroupant les 3 packs Porsche. Ce qui vous fait, et je crois, quelque chose comme 24 voitures au total, puisqu'à chaque pack, il y a 7 voitures et ensuite une voiture bonus. Sachez que la voiture bonus qui devait être avec ce pack n'est pas présente, elle est retardée à 2017, mais elle arrivera bien dans le jeu. Allez, c'est parti, on lance la première découverte. On s'élance sur la piste urbaine de Macao. Oh, et on libère les chevaux. Oh, mais ce bruit, mais comment se lasser de ce flat 6? Franchement, c'est toujours absolument sensationnel, hein, ce 4 cylindres qui sonne vraiment magnifiquement. Alors, la courbe du mandarin, on va freiner. Passe, ça passe bien. Alors, on va découvrir les 4 voitures qui restent. On va voir déjà ce que vaut celle-ci. La GT3 Cup édition 2017. Alors, pas encore de livrée à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je vous rassure, je pense qu'on aura droit à une petite course on-board avec cette voiture dans quelques temps. Puisque je pense que des livrées vont pleuvoir sur Race Department notamment. On a passé le droit de Lisbonne, on est parti dans la remontée. Ouais, ça saute bien, on sent bien les vibrations dans le volant. Précision du train, on touche les freins, on tombe en 4 avant de retomber en deuxième ici. Allez, hop, deuxième, on est un peu large, ça va. On perd pas trop de temps, ici c'est toujours très étriqué avec la petite bosse. Ouais, ça passe bien. Alors, premier ressenti plutôt fun de cette voiture. Alors, elle est assez lourde. C'est une Porsche Cup. C'est une tonne 2, comme toutes les Porsche Cup. Pour un peu moins de 500 chevaux. Oh, et cette version 2017 est assez agressive. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai un peu de mal avec les enchaînements. Allez, on va retomber ici en deuxième pour le gauche. On enchaîne. Pour l'instant, pas de contact avec le rail. En tout cas, pour l'instant, je dis bien. Alors comment cette voiture va réussir à braquer à l'épingle. J'ai mis un peu plus de braquage. J'ai mis pas mal d'appui également. Allez, ça passe. Ça glisse aussi. Alors on va avoir des voitures un peu plus traditionnelles hein, de chez Porsche dans cette deuxième partie de découverte. Il y en aura 4. La première c'est celle-ci. Donc là, GT3, on aura après la 2016, la RS. Alors on arrive sur l'épingle Melkon. En première, je suis très très prudent, on va y aller à fond. On braque, on croise quasiment les mains. Ouais, ça passe. J'ai pas tapé. Comme dirait Simien François de Lecour, j'ai pas tapé. Voilà. Bon, salut s'il nous regarde. Allez, dans la descente, on va rechercher le port. On va tenter de freiner ici. Peut-être en 4, non, 3. Un peu tard, ça va. Très très bonne tenue du train avant, de nouveau. Je me répète, mais j'avais beaucoup râlé, enfin... constaté dans les anciens packs qu'on avait des voitures très soubireuses. Ici au niveau du comportement, on sent que la précision est un peu plus présente. Alors est-ce que c'est de nouveau le cas dû à une mise à jour parce qu'on est en version 1.11. Très jolie correction ici, très très fun. Alors on va essayer de passer ici, je vais peut-être soulager. Je sais pas si ça passe à fond, je pense que oui, mais là peut-être me faire un petit soulagement. Voilà. En tout cas c'est très très fun. Donc comme à l'habitude, je vais passer en vue TV pour le deuxième tour et vous laisser profiter du son de cette superbe GT3 Cup 2017. Thank you.
libère la puissance, toute d'orange vêtue. Voici la 911 Turbo S qui s'avance vers la première épingle. Alors certains ont vu sur Twitter, je l'espère, le screenshot que j'ai mis de mon premier run. Parce qu'ici, ça n'est pas le premier run avec la voiture, c'est le deuxième. Mais le premier, c'est fini dans le rail. Avec des roues arrière dans un état un peu compliqué. Donc je vous invite à aller checker sur Twitter. Alors, la première constatation, c'est que c'est la première voiture depuis que j'ai commencé à tester Spa où ça glisse vraiment. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a pour la première fois le comportement que j'avais avec les packs Porsche précédents, en tout cas pour les routières et à moteur arrière notamment. Eh bien, c'était ce sentiment de sous-virage très très important en entrée de virage. Et une fois que la voiture a décidé de transférer les charges, eh bien là vous avez le coup de pied au derrière, passez-moi l'expression, à la réaccélération en sortie de virage. Si vous rentrez trop vite dans votre virage, la voiture va glisser vers l'extérieur et ce sera est terminé. On a une voiture qui est assez lourde, je suis assez surpris quand j'ai lu le poids de cette Porsche qui est à 1 tonne 6 tout de même. Je trouve ça assez lourd pour une sportive de ce calibre là. Alors après c'est vrai que c'est un 3 litres 8, c'est quand même un moteur imposant, mais voilà, en tout cas de deux points de vue purement techniques, on a ça avec à peu près quelque chose comme 560-570 chevaux au compteur et une vitesse de pointe assez sympa, plus de 300 à l'heure. On est dans le S-Schumacher, on va retomber en troisième, même si je pense qu'on peut passer en 4, mais là j'ai pas encore assez confiance en la voiture. En tout cas, on sent, voilà, quand on zigzague un petit peu, que le train arrière demande à décrocher. Je rappelle que je suis sans assistance, bien entendu, comme chaque fois quand je teste ce genre de voiture. Ici, même avec le pied dedans, elle ne décroche pas, c'est un peu dommage. Tendance à avoir un peu trop de sous-virage, c'est vraiment dommage, mais bon, ça demande à régler également. Je teste toutes les voitures aussi brutes, sorties du stock. Allez, la grande ligne droite avec la courbe Warsteiner qui nous ramène vers l'épingle NGK que j'ai gardé en version évidemment classique. Ouais, et regardez, gros passage du freinage de la chicane NGK, c'est un peu plus compliqué. On voit que l'arrière se bloque, c'est très très plaisant cette sensation. Voilà, je vous disais ça tout à l'heure, dire que voilà, la voiture décroche, après faut la rattraper, voilà, c'est fait. En tout cas, c'est vraiment du très très agréable. Après, ça peut être énervant aussi pour ceux qui n'ont pas l'habitude de piloter avec ce genre de comportement. Allez, bon, je m'attendais à un départ un peu plus impressionnant que celui-ci. Alors, on est avec la GT3 R de 2016. La nouvelle GT3 qui vient s'ajouter à la longue liste des GT3 présentes dans Assetto Corsa. Et oui, on a autre chose qu'une roof dégueulasse en copie de Porsche pour se faire quelque chose de plus sympa visuellement. Alors, j'ai hâte de voir les skins qui vont sortir pour cette voiture parce qu'à travers le monde, il y en a des magnifiques.
Ici, on a droit qu'à 3 skins de base qui reprennent un peu les couleurs du VLN. C'est pas top. Malheureusement, j'en ai sélectionné une un peu kitsch pour avoir les gants jaunes. Je trouve que ça me va bien. Ça me rappelle ce que j'ai IRL. Bref, passons. On est sur la piste de Silverstone. Vous l'aurez reconnu avec la Wellington Straight que l'on vient de passer. On est ici du côté de l'ancien secteur de bridge que l'on regrette. On va passer devant l'ancienne pit lane. Alors, que vaut cette GT3? Alors, je suis un gros fan de la Porsche GT3 de base, dans Air Factor 2 notamment. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, au niveau des caractéristiques, on va passer très vite parce que vous la connaissez certainement bien mieux que moi, cette voiture. 500 chevaux, 1 tonne 2, 4, catégorie GT3 avec l'ABS évidemment, de base dans les GT3. Ça donne quelque chose d'assez potable. Alors, c'est pas la voiture avec la meilleure vitesse de pointe. Face, je pense, au peloton à des voitures comme les Huracan et les Ferrari 488 nouvelle génération, elle fait un peu pâle figure. J'ai pu tester rapidement la voiture sur une course que vous aurez peut-être d'ailleurs, si j'arrive à récupérer le replay, vous proposerez peut-être une Porsche on-board avec cette GT3R. Enfin, GT3 RS, c'est l'ancienne génération qui me donne l'habitude de dire RS. Oh, sous-virage, gros sous-virage, blocage de roues. J'ai pas laissé l'ABS sur celle-là. Bon, on a bloqué les roues à Sto. La dernière fois qu'il y en a un qui a bloqué les roues, ça lui a coûté 2 jambes. Heureusement, il a pu revenir en F1. Oh, et ça bloque encore ici. Alors, beaucoup de blocage de roues. Alors, une répartition de freinage qui est peut-être aussi un peu hasardeuse, hein, du côté de cette 911 GT3R. En tout cas, on a quelque chose de beaucoup moins fun, je trouve, que la Cup. C'est pour ça que je préfère aussi la Cup à la R, en tout cas. Visuellement, elle envoie, et au niveau du comportement, ça reste une GT3 tout à fait classique, mais avec une répartition de moteurs à l'arrière, et ça peut changer parfois la donne, et c'est vraiment très agréable à piloter. Et ça bloque encore les roues quand même, on est un peu large, mais ça va, ça passe. Allez, je vous laisse profiter un petit peu de la vue extérieure de cette superbe 911 GT3R. Et sur le petit circuit d'Oulton Park en Angleterre que je n'avais pas encore vu pour assez tôt et j'avais vraiment envie de le tester. Donc on part avec la boîte en H évidemment pour découvrir cette 911R. Oh, ça glisse déjà pas mal. Quelque chose d'assez particulier. Alors une piste ici très technique, plus qu'il n'y paraît. Et on va pouvoir s'en faire vraiment une bonne idée. On va rester en 3 pour entrer dans ce gauche. Je pensais que ça pouvait passer en 4. Alors on est en deuxième ici dans le banking. Alors 1 tonne 3 pour cette voiture, enfin quasiment 1 tonne 4 pour 500 chevaux. Donc on a 300 kg de moins que ce que nous donnait la Porsche juste avant la GT3. Beaucoup moins d'appui évidemment. Attention à cette petite chicane qui peut être traître parfois, notamment sur la relance. On a une vitesse de pointe assez hallucinante, 320 km/h et un 0 à 100 km/h en 3 secondes 8, et ça fait
vraiment du bon boulot. Allez, on retombe en deux et on évite de bloquer les roues. Allez, attention à la relance ici. Est-ce que ici je peux passer en deux ou trois? Ouais, en trois, c'est pas la fois. J'aurais dû peut-être rester en deuxième vitesse. Vraiment beaucoup plus sympa que ce qu'on avait précédemment. Alors, en termes de routière, ma préférée reste quand même la Cayman. En troisième issue, ça passe, ça corrige aussi. C'est très serré. Vraiment très très fun, mais un comportement qui est assez semblable à ce que propose la Boxster. Donc des voitures qui ont quasiment les mêmes comportements, la même physique en termes de rapport poids-puissance et de transfert de charge et de masse. Alors on est sur des moteurs arrière et ça fait vraiment le café. En tout cas pour cette 911R, c'est pas mal. Voilà les amis, c'est sur ces quelques images du circuit d'Houlton Park avec la 911R en train de glisser que l'on va se laisser. J'espère que cette découverte vous aura un peu plus éclairé sur le contenu de ce troisième pack. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à checker la description pour y retrouver peut-être les circuits et surtout un lien vers Steam pour pourquoi pas investir dans ce pack. Alors sincèrement, vaut-il vraiment les 7€? Je trouve que oui, parce qu'il y a une fois de plus beaucoup de variétés. Il n'y a pas un pack qui se démarque des autres. Ils ont tous une partie historique, une partie moderne, une partie routière, une partie compétition qui sont de qualité. C'était un des points les plus importants pour la réussite, je pense, de ces extensions, c'est qu'elles soient réparties de manière équitable et je pense que c'est le cas. Voilà, merci à toutes et à tous, bon amusement en piste et d'ici là, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut !